et bienvenue sur Recarverne sur nos TV. On est très content de vous retrouver ce soir avec un plateau un peu dégarni parce que notre fidèle Jackie est resté à La Rochelle pour manger les huîtres et profiter des bienfaits de l'air marin. Mon fidèle Jean-Luc est avec moi. Toujours des chiffres. Vas-y Toto. Numéro 49 pour Recarverne et c'est le 17e numéro de cette saison 3. Alex Audebert nous revient tout bronzé du Maroc. Bonsoir tout le monde. Et puis donc la loutre est absent ce soir, il ne sera pas connecté avec nous, donc on lui envoie la bise. Et puis merci donc à Étienne Fourcade de nous avoir rejoint ce soir après un petit loupé il y a 15 jours, une petite mésentente, la faute au présentateur. Voilà, donc merci d'être avec nous. Merci à vous. Et donc oui, on va se retrouver malheureusement pour débriefer une 11e défaite à l'extérieur. Donc on attaque par le débrief. Et oui, donc on se faisait pas d'illusions, on était assez défaitistes en allant à La Rochelle. On se disait on affronte une très grosse équipe de La Rochelle qui faisait tourner quand même en prévision de la Champions Cup, mais affichait bien sûr toujours une très belle équipe. Et puis, attaquant ce match, on s'est pris à se dire on va croquer ces Rochelais un peu par surprise. Et malheureusement, on a oublié un peu de scorer, de creuser l'écart. Et puis, c'est eux qui nous ont planté rapidement deux banderies un peu contre le cours du jeu. Étienne, c'est un peu comme ça qu'on peut l'analyser. Oui, on va dire que c'est bien résumé parce que voilà, on a fait un bon début de match, je pense. Et voilà, après 20 minutes, il y a toujours 0-0 et au final, on prend un essai un peu casquette. Et au final, les trois essais qu'on prend en première mi-temps, c'est un peu des essais qu'on leur donne. Donc après, c'est compliqué de repartir en deuxième mi-temps avec 19 points de retard. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'on a on les a alimentés un peu de nos erreurs tout au long de la partie, qui pourtant c'était une bonne partie pour nous. Devant, en conquête, on était bien. On a toujours cette mêlée conquérante qui est pourvoyeuse de pénalités parfois. En touche, on se trouve bien mieux. Et c'est vrai que malheureusement, on est venu un peu perturber ces actions. Quand je vois la bouille de... avec des scories. Voilà, il y en a un qui nous en a écrit une tartine là-bas. Ah ouais, un gros on n'arrive pas à lire, faut découper s'il vous plaît. Non, c'est vrai que voilà. Ce que je regrette, c'est que j'avais souvenir de la réception de La Rochelle. Cette réception de La Rochelle, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça venait après l'échec au Stade Français, alors qu'il y avait quelque chose à faire au Stade Français. Ça devait être le premier match. Ouais, le premier match. Et après, il y avait ce match contre Toulon, où on s'était un peu percé en première mi-temps, mais où on est venu réellement les titiller en fin de match. C'était le second match, ce match à l'extérieur à Toulon. Et donc, on avait déjà un peu le couteau sous la gorge lors de la réception de La Rochelle. Le score, je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'ailleurs, il est de 22-13. Alors 26-13, 22-13. Et on avait réellement creusé l'écart par des pénalités, cette fois-ci, en fin de match. Et on avait gagné. Ça reste peut-être l'un des matchs références que nous avions fait. Et là, c'est un peu dommage parce que, on ne va pas le répéter, on a l'occasion de prendre la marque et on sait très bien qu'au rugby, qu'on soit joueur, qu'on soit coach, que quand on a pris la marque, c'est mieux. Quoi. C'est une palissade, mais bon. Et malheureusement, on n'a pas pu transformer, on ne va pas accuser le buteur, on n'a pas pu prendre ces 6 points. Je pense que ça aurait pu changer si à un moment on mène 6-0, parce qu'en début de match, quand même, vous avez tenu le ballon. Je ne pense pas que ça aurait... changer à terme. On les aurait fait douter un moment, il aurait fallu qu'ils se mettent en branle un peu plus tôt. Peut-être que nous, ça nous aurait permis d'être un peu moins fébriles et justement d'éviter ces erreurs à un moment, parce que sur un match, il y a les temps forts, temps faibles. C'est sûr qu'on a commencé par un gros temps fort avec cette domination qui a duré un long moment et jusqu'à ce que, à un moment, quand on ne score pas, on s'épuise, on fatigue, arrive le temps fort de votre équipe et on n'est pas à l'abri.
Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que ça a été assez récurrent cette année, quoi. Même si, par contre, comme le faisait remarquer Géraud, c'est vrai qu'il y a, il y a quand même des signes positifs aussi sur le jeu devant. On sent du mieux quand même. Ça, il n'y a pas le temps de tourner autrement. On sent vraiment du mieux. Et c'est ce qui rend encore plus ce genre de défaite frustrante parce qu'on sent que c'est mieux, on sent que ça avance, on sent que ça va dans bonne direction. Du coup, nous, en tant que supporters, on voudrait que ça matche un peu plus. Quoi. Il nous manque ce petit coup de sel à la fin pour que ce soit bon. Et putain, surtout qu'on retrouve sur ce match-là un peu de liant avant trois quarts et qui, justement, par moment, est gâché par un en avant sur un gars qui vient dans la ligne. On annule en fait des très bonnes actions par moment, juste avec une maladresse, une passe qui n'arrive pas ou des choses comme ça, quoi. Ouais, surtout le fait marquant, en fait, c'est, je trouve qu'au-delà des 6 points qu'on ne marque pas en début de première période, c'est le nombre de ballons qu'on fait tomber dans les zones de marque. Justement, c'est ça le problème. C'est que quand on arrive proche de la ligne d'en but, on n'arrive pas à garder le ballon, on fait des petits en avant, des petites fautes bêtes. Et voilà, donc c'est ça qui est dommage. Au-delà des 6 points qu'on loupe au pied, c'est surtout le fait qu'on a dominé, mais on n'a pas marqué. Du gâchis. On fait du déchet. Ouais, voilà, du déchet. Alors, parce que Étienne, moi j'ai une question parce que on vient toutes les 2 semaines sur ce plateau et on a souvent tenu ces propos en disant, sont mes propos, nous avons du mal à aller à Dames. Donc je présume que vous en parlez, il y a des débriefs là-dessus. Comment ça peut se travailler à l'entraînement, le fait de dire, bon, faut aller derrière cette foutue ligne et aplatir le ballon, quoi. Parce qu'on est toujours à combien, 70, 1 mètre, pas plus, quoi. Et on n'arrive pas à porter ce foutu ballon derrière la ligne. Il y a des méthodes à travailler, vous en parlez, on peut mettre quelque chose en place ? Non, tout d'abord, on en est conscient, hein, parce qu'on s'est fait la réflexion aussi sur le match des Scarlets, où on a été, même si on était à 14, on était plutôt dominateur et on a passé plus d'une demi-heure dans leur 22, mais on n'a pas tant marqué que ça. Et déjà, ça se travaille que si on avait été un peu plus précis, je pense, sur nos touches offensives, parce que même si on avait le ballon, on a perdu pas mal de ballons, au final, sur nos mauls qui n'ont pas été aussi performants que d'habitude. Et après, je pense que c'est de la concentration, d'être plus précis dans cette zone-là pour vraiment avoir la volonté de marquer et pas juste réciter du rugby. Ce qui nous a perturbé un peu, et là, tu es concerné par ça, c'est sur nos très bonnes touches qu'on prend, je crois qu'on dégueule 2 ballons en bas quoi, au moment de constituer Small. Est-ce que les gars, est-ce que c'est les Rochelais aussi qui passaient un peu les bras, qui venaient nous faire tomber les ballons, ou c'est simplement un problème de transmission entre toi qui dois récupérer le ballon, ou à un moment c'est Fritz, ou les ballons giclent un peu n'importe où, quoi. Honnêtement, je sais pas parce que j'ai pas encore trop regardé le match. Mais j'ai regardé le match, mais pas précisément sur les mauls. Mais après La Rochelle, on sait qu'ils défendent très bien les mauls, justement en nous laissant le devant et essayant de casser un peu les liaisons sur nos mauls. Donc on s'y attendait. Après, je pense qu'eux ont très bien défendu, mais que nous, on n'a pas été aussi offensifs que ça. Pour arriver au terrain d'un mètre. Oui, ça y est. Michel Chevalier a trouvé la solution. Non, mais après, c'est vrai que c'est une phase, c'est une zone du terrain qui est particulière. La zone du score qui est particulière. Parce que là, c'est un endroit qui va focaliser beaucoup de pression. Parce que là, tu es sur le moment de la marque. Alors, quand tu es une équipe qui est en confiance, qui maîtrise son jeu, son rugby, qui va un peu moins subir cette pression émotionnelle, c'est juste de la pression émotionnelle, là, tout le monde veut bien faire, tout le monde veut marquer, tout le monde veut bien réciter, mais et cette pression du score, cette pression de l'enjeu de marquer qui est très importante. Et du coup, la moindre erreur, on sait qu'elle va être, ça va être décuplé, répercuté. Il y a un moment qui l'illustre bien, ça, c'est le moment où Raka, alors qu'on est en train de pilonner cette ligne, où on se dit, Raka ramasse le ballon, je pensais qu'il allait remettre un pet au rat, quoi, quelque part. Et
et qui balance ce ballon à Anthony qui, ouais. Qui met ce, cette diagonale ouais, au pied. Quoi, tu vois. Alors qu'on a le temps. Bien sûr, on a le temps. On manque de patience. Mais c'est vraiment une histoire de patience. En fait, il faut de la patience. Pour être patient, il faut aussi qu'on soit une équipe qui soit, je dirais, mature et en confiance. Et il faut qu'il y ait aussi des leaders de jeu qui puissent driver ça et l'amener en confiance. Il faut que l'équipe soit sereine pour pouvoir travailler là-dedans. Parce que c'est des phases où c'est des zones très énergivores, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux physiques, parce que c'est un gros engagement, ça tape fort des deux côtés. Et là, la moindre demi-centimètre va peser cher ou d'un côté ou de l'autre. Donc, et ça, à l'entraînement, même si tu vas mettre en condition, tu vas faire tu vas mettre des scénarios en place pour que ça se challenge, ça se laboure, c'est pas pareil. C'est pas pareil que dans le stade, avec la pression, avec l'enjeu, le poids du score. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et là, c'est symptomatique aussi d'une équipe qui n'est pas en confiance. Et en ce moment, on n'est pas, même si ça va bien mieux, on n'est pas encore en pleine position de nos moyens et émotionnels parce que ouais, ça fait chier de jouer ces passes-là, quoi. Oui, puis c'était. Alors, oui, vas-y, Jean-Luc. En préparant l'émission, j'ai à nouveau regardé le match et j'avais une réflexion qui rejoint peut-être un petit peu ce que tu dis, Alex. J'ai le sentiment qu'en fait, on a bâti sur cette saison sur des joueurs qui ont des qualités qui font qu'ils vont aller à Dame, quoi. Donc à un moment, ça a été Damien hein, qui créait l'exploit et qui faisait qu'on restait toujours collé au score et qu'on avait l'espoir. Et puis là, si on revoit le match de ce week-end, il y en a d'autres. Il n'y a pas qu'un joueur, mais on voit bien que Baptiste Jauneau a apporté des choses et l'essai qui nous remet presque dans la confiance est fantastique. Par contre, derrière, on voit bien qu'on a du mal à faire ce jeu qu'on faisait il y a deux saisons. Non, mais tu mets après, alors c'est intéressant ce que tu dis, dans ce type de zones qui sont compliquées à gérer, si tu as des armes comme un PC Liato, comme un pack aussi qui va être un peu mieux structuré, avec des Vamaina, avec des gros porteurs, c'est peut-être pas non plus la même aussi, hein, parce que dans ta gestion de la conquête, dans la gestion des ballons portés. Même vous, Étienne, on vous a vu en courte saison porter le ballon et quelquefois vous faire basculer. Soit vous avez dû marquer, vous avez combien d'essais cette saison ? Un, deux ? Je sais pas. Quel jeu. Mais j'avoue qu'on ne compte pas eux. En tout cas, il a du temps de jeu. Non, ce je vous vois vous faire croquer quelquefois en bordure de cette ligne de touche sur le point de quand vous vous échappez, etc. Donc, vous faites partie de ces joueurs comme qui pourraient breaker, mais ça rigole pas. Non, après, on est conscient qu'il nous manque des gros porteurs de balles comme Pessili, par exemple. On a pas mal de blessés, ça aussi il faut le prendre en compte, même si ça n'explique pas tout. Ah, mais si, pour travailler, c'est compliqué, travailler dans la semaine. Ouais, moi je pense surtout que c'est un problème de. Enfin, on manque peut-être de précision et de concentration. Après, la confiance, c'est sûr que forcément elle n'est pas au top, mais voilà, vu notre état d'esprit et tout, je vois pas comment ça pourrait pas marcher dans le futur. Tu l'as dit, c'est vrai que moi je n'osais pas trop le dire, mais il y a ce côté précision, quoi. Et c'est vrai que la précision, c'est quelque chose pour moi qui se bosse au long cours, quoi. Et c'est pas du jour au lendemain que même Christophe, aussi bon qu'il est, va pouvoir aiguiser les armes de tout le monde de manière rapide et être plus en plus efficace jusqu'à pouvoir marquer dans cette zone-là. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi et je trouve qu'on manque beaucoup de précision par moment, quoi. Parce qu'on va, alors tout le monde est bon esprit, hein, mais on va se précipiter, on va aller un poil trop vite, on va aller faire le geste de trop ou le petit centimètre de trop qui va au bout du compte casser les efforts de tout ce que, d'avant, quoi. C'est cette capacité quelque part à jouer dans les défenses qu'on voit beaucoup par ceux qui sont bizarrement de toute façon dans le top 6 tout de suite. C'est un peu ce qui nous a manqué encore ce week-end, c'est-à-dire que t'as des brèches qui sont ouvertes par Moala, par Newsom, par moment, et on n'arrive pas à transformer ça, à faire ces pop-pass ou ces offload qui vont nous faire vraiment finir d'ouvrir la brèche et aller à Dame plus facilement que d'aller cornaquer à pilonner la ligne sur 5 mètres, quoi, c'est sûr. Hein. Faut qu'on écarte une question, je vois que Greg, qui est
un bébé de l'ASM qui a grandi à l'ASM dit « Ok, mais Damien, il bute pas ». Le problème est là. Alors, bon, on a reçu Anthony, qui est un gentil garçon, qui est sympathique. Moi, j'ai encore un souvenir. Il a quand même amené sur un drop goal Toulon en finale, que nous avons battu après. Ma question, c'est sur la façon de travailler. Vous suivez un peu comment il travaille, parce que je me posais la question. On a souvent dit que l'on faisait revenir des anciens au club. Je m'adresse à toi, Alex. Donc, des anciens au club qui ont buté, qui avaient des qualités de buteurs. C'est pas moi. C'est pas Alex. Et on les a fait revenir. On connaît Marco Pradier. Ouais. Et comment buter Marco Pradier? On connaît Gaëtan Herry qui a sauvé le club d'une descente en division inférieure grâce à un coup de pied au pied. Donc, je ne sais pas, il faut peut-être un tour. Moi, toujours en préparant l'émission, je réfléchissais. Je me disais, quand on a des Marco, quand on a des Gaëtan, quand on a des Gilles Darley, il faut peut-être parler avec Anthony et puis buter, mais peut-être pas simplement buter au Michelin. On a tout un tas d'environnements. Si on monte au CESO, on sait qu'il y a du vent, etc. Et s'appuyer avec ces joueurs pour se remettre en confiance. Il y a le clencher. Peut-être qu'il faut passer des heures à buter. Là quoi. Où je te rejoins, Jean-Luc, c'est que je ne pense pas qu'Anthony manque d'entraînement à buter au pied. C'est surtout sur l'aspect psychologique que pourrait jouer peut-être les anciens, en discutant un peu, machin et tout ça. Mais je veux dire, les clés, c'est bien lui qui les a. Et je pense que là, il est un peu comme tout le monde aussi en ce moment. Il a un peu ce doute qui s'est installé. Et c'est vrai que psychologiquement, c'est super dur. Je vais prendre un exemple. Hein. Rappelez-vous, c'était 20 piges maintenant, mais Gérard Nasseron, qui était quand même un buteur de classe mondiale, donc qui était, je ne sais plus, à 87 ou 8%, qui, du jour au lendemain, il ne mettait plus une pénalité en face des poteaux. On croyait même qu'il faisait exprès, quoi. Vous vous rappelez? Oui, c'est vrai. Ça avait créé des grands débats. Il y avait un gros passage à vide. Après, le but, hein, bah, il est bien placé pour savoir. Hein, quand tu lances en touche ou quand tu butes. C'est un peu la même chose, d'ailleurs. La solitude du lanceur. Tu es tout seul sur un geste technique qui est important, quoi, et qui est un enjeu qui est énorme. Et bah, quand tu es en train de lancer et que tu vois tes mecs, là, que ça ne roule pas bien, ou que toi, tu as un coup, tu es claqué, enfin... Tu le fais, toi, ce parallèle, Étienne, d'ailleurs, entre la solitude du buteur et la solitude du lanceur aussi, qu'on stigmatise souvent, alors que, bon, c'est bien plus compliqué que ça. Oui, ce que j'allais dire, c'est une connexion aussi à avoir. Ouais. Et si tout le monde fait les choses correctement, ça se passe bien. Après, il suffit des fois qu'il y ait un petit caillou dans l'engrenage qui fait qu'on la touche. Après, voilà, moi, je ne vais pas donner des conseils à Anto ou... Honnêtement, je sais que c'est un bon buteur, donc forcément, ça va revenir. Oui, c'est ça un peu le... Ben, c'est sur l'aspect, moi, je pense, oui, effectivement, psychologique. C'est vrai que quand on parle des joueurs que tu as énumérés, ils sont loin des buteurs actuels parce qu'ils n'ont pas tapé dans ces ballons-là, je dirais. Mais c'est vrai que quelqu'un parlait de Brock James, mais bon, Brock, qui lui a buté dans ces ballons-là. Oui, mais bon. C'est un spécialiste. On ne parlera pas de finale de Coupe d'Europe. Oui, qui, ben, lui aussi là, par moments, il avait des faiblesses. C'est un contexte psychologique. Effectivement. Mais bon, c'est vrai. Est-ce que vous voulez répondre à Jérôme Martin, Étienne? Le discours dans le vestiaire, finir la saison tranquille, faire table rase et rien que pour la saison prochaine. Il reste 3 matchs, 2 à domicile. Maintenant qu'on a perdu ce match contre La Rochelle et qu'on a réussi qu'à avoir un point de bonus défensif contre Pau, notre objectif c'est la 8e place. Donc il faut gagner les 3 prochains matchs pour y être. Donc non, on ne va pas faire une fin de saison tranquille. Il faut gagner les 3 prochains matchs qui arrivent pour espérer une place dans les 8. Comme dit Michel Chevalier, hein, il faut se libérer la tête, se faire plaisir et mettre une tôle aux Parisiens. Ben oui, ça va commencer par ça, effectivement. Les Parisiens Alors, Christian, gros à jouer. On ne disait pas de mal de Brocchi, on tirait simplement un bilan et un constat. Ne touchez pas Brocchi. Il y a des jours sans. Ouais, c'est bon, il avait passé un drop, on aurait dit qu'il allait taper dans un ballon de baudruche. Te rappelles, hein, t'étais sur le terrain. C'est un escroc, Brocchi. Moi, je sais. Hein.
les Toulonnais qui nous ont fait la fête. D'ailleurs, en même temps qu'ils faisaient la fête à Toulon, ils nous ont fait la fête aussi. Enfin, surtout un, d'ailleurs, faut pas généraliser. Hein. C'était notre ami Armitage. Alors, on nous dit que si Toulon gagnait le challenge, la 9e place serait pour faire le... J'ai pas vu ça, mais pourquoi pas, hein. Moi, je suis preneur. Ouais, j'ai pas vu c'est ça. Si Toulon gagne le challenge, mais bon. Non, je crois que ça libère plus de... Ça libère plus maintenant vers le bas. Ça libère de place, hein. Je pense qu'il faut... Enfin, à vérifier l'information, mais je... compter sur Toulon, quoi. Ouais, je pense pas, en plus. C'est pas mieux. C'est pas nos potes. Non, mais... C'est vrai que pour conclure sur ce match, parce que moi, vous m'excuserez, mais on est obligé d'en parler quand même. Vous avez discuté, je suppose, après dans le vestiaire, cette dernière action, enfin pas la dernière action, mais cet essai qui finit de nous tuer avec un avant d'un mètre. Personne réclame la vidéo. Enfin, si on sent que les joueurs se mettent devant le buteur un peu... On demande après, c'est un truc de fou quoi. Qui décide de pas demander la vidéo. Je crois qu'il dit qu'ils avaient regardé. Ils en ont parlé, oui. C'est pas allé jusqu'à l'appel vidéo, c'est-à-dire que ils se sont consultés par micro interposé et puis à aucun moment il y en a un qui a décidé. Enfin, celui qui décide, c'est celui qui est au milieu. Il décide, mais après il y a un échange quand même entre lui et le CMO, enfin l'arbitre vidéo quoi. Donc, ce qui est terrible, c'est que malgré le doute qu'il y a quoi, sur cette action, c'est qu'on ne vérifie pas, parce que des fois, ils vont regarder pour rien. Mais là, on n'y va pas. Quoi. Et si là, il n'y a pas en avant d'un mètre... Alors, je ne sais pas, je pense que Marbeau avait perdu la définition d'en avant sur ce match, parce que moi, j'en ai relevé quand même 3 ou 4 dans la partie. Enfin, on est d'accord. Quand j'ai revu le match encore aujourd'hui, je dis, mais ce n'est pas possible. J'ai pensé à toi, Arnaud, parce qu'il y en a une qui est de côté d'un arbitre... Oui, que nous connaissons bien. J'ai dit, tiens, Arnaud, dis rien, mon téléphone sonne pas. Non, mais c'est vrai que tu l'as vu, celui-ci. Il n'y a pas longtemps, Jérémy Rosier était nommé arbitre de notre match. Il saute très souvent sur les arbitres. Et tout le monde, a crié au loup. Et puis là, donc, il nous a arbitré en touche. Et voilà, bon, on va pas faire de commentaires. Non, on l'invitera sur le plateau. Il y a tant à dire. J'avais dit que je t'enverrais et je ne l'ai pas retrouvé parce que, étant donné que ce n'est pas repassé, je l'ai recherché tout à l'heure. C'est juste avant la mi-temps, une faute à Brive d'un joueur palois sur un joueur briviste qui méritait le rouge. Et oui, il n'y a même pas de jaune. Quoi. Tout le monde s'en étonne, y compris les gens qui commentaient. On peut parler de la commotion de Bello aussi, hein, d'Anthony qui... Après, pour répondre aussi à ce que dit Grégory Chalier, c'est vrai qu'il y a aussi le syndrome de passer après Brock éternellement, ça. C'est... Éternellement, et c'est sûr, c'est toujours des transitions compliquées. En plus, quand on voit Camille qui brille, qui flambe cette année, alors c'était pas le cas la dernière, c'est sûr, mais qui a retrouvé une nouvelle jeunesse. Donc forcément, qui en fait bien les gorges chaudes, parce que c'est ça, c'est le Montferrandais, c'est le Montferrandais. Et à Bayonne, il est bayonnais maintenant, chez Bayonnais, il n'est plus Montferrandais, donc c'est vrai qu'ils connaît tous ces problématiques avec l'Aviron et Toulouse du côté de certains médias, décideurs des médias. Quoi. Et oui, donc on peut maintenant basculer effectivement sur ce match du Stade Français, où... Pour avoir un peu d'avoir j'ai eu un peu Morgan au téléphone. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait un doute sur le fait qu'il joue ce match. Donc il voulait jouer. Il a envie de le jouer. Il a envie de le jouer. Ouais. Il a envie de le jouer. Mais je pensais pas qu'il serait remis si vite. Mais bon, voilà, on verra, on sera fixé dans 15 jours. Parce que c'est vrai que donc il peut jouer ou pas? Ben non, pas. Enfin, il a dit si je joue. Donc il y a cette éventualité là. Il va tout faire pour. Il fera ce qu'il pourra pour le jouer, je pense. C'est sûr que ce serait une jolie. En plus, c'est la dernière saison, ce serait joli qu'il fasse son dernier match au Michelin comme ça. On ne sait pas encore si c'est sa dernière saison. En tant que joueur, on va dire. On ne sait pas, non, c'est sûr. Non, mais voilà, donc le Stade Français qui se profile et qui est un match maintenant déterminant de toute façon, parce qu'on perd pas à la maison, c'est interdit. Et puis effectivement, parce que mathématiquement, on peut encore aller chercher cette huitième place. Et puis le Stade Français, eux,
Par contre, auront eu aussi ces 15 jours là pour le préparer ce match. Et puis eux, ils veulent consolider au moins leur troisième place, pour recevoir en barrage. Parce que c'est vrai que la deuxième va être dure à aller chercher. Parce que mathématiquement, on a le classement. Donc si Ghislaine, tu veux nous le mettre, on pourra se rendre compte de ça. Mais ils sont à 6 points de La Rochelle, le Stade français. Voilà, donc tout peut encore se passer. Mais c'est vrai que... Ils vont pas venir pour acheter du terrain, comme on dit chez nous. Donc, non, c'est sûr. Voilà. Et nous, est-ce que on a des échos un petit peu sur l'infirmerie qui pourrait un peu se vider d'ici ces 15 jours? Tu as des nouvelles des collègues un peu, mis à part ceux qui sont rentrés récemment? Ouais, non, j'ose pas trop m'avancer parce que chaque blessure évolue différemment. Ouais, mais oui, ça peut. On devrait avoir normalement quelques retours. On peut imaginer un peu renforcer encore un peu le pack. Moi, je suis assez d'accord. Moi, je le vois gagner contre le Stade français. Hein, parce que le Stade français, c'est pas non plus. Moi, il m'inquiète pas des masses. Si on arrive à avoir les mêmes entames, la même énergie, je dirais la même la façon de s'imposer sur l'autre dans le combat. Moi, je pense. D'ailleurs, après, tu as toujours la maison. Tu auras un peu plus de confiance. Paradoxalement, on va pas se voler la face. Hein. Même si tu perds ou quoi, l'enjeu n'est pas important. C'est pas, t'as pas grand chose à perdre, quoi. Du coup, comment vous t'as pas de pression négative, quoi. Vous l'articulez cette préparation justement du Stade français là, vu que justement il n'y a pas de match ce week-end. Comment vous allez bosser là? Eh ben déjà on avait trois jours off là, donc on reprend mercredi. Et de toute façon on va le préparer comme tous les matchs qu'on prépare à domicile, donc sérieusement et. Voilà, nous, on veut le gagner ce match, comme je l'ai dit, parce que c'est pas encore une saison qui est finie. Et justement, faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, parce que voilà, on peut toujours aller chercher cette place de 8e. On est à 8 points, on va jouer à Bayonne. Ouais, c'est ce match-là. Donc, tout est possible. Ouais. Ouais, celui-là, ça va être aussi un des déplacements à faire pour les supporters montferrandais. Imagine, ça peut être un super scénario, quoi. Tu peux aller leur souffler la 8e place chez eux. Et puis voilà, c'est génial, quoi. C'est la seule français. Équipe qui a gagné chez nous aussi. Bon, oui, aussi. Faut battre le Stade français. Ouais. Mais de son côté, le Stade français doit regarder aussi son calendrier. Parce que moi, je suis en train de regarder. Non, mais tu as raison, on n'est pas dépendant. Ouais. La semaine d'après, le Stade français accueille Lyon. Donc, c'est un match important pour eux. Puisque tu vois que Lyon est 6e avec 56 et le Stade français 64. Et alors, le dernier match pour le Stade français, c'est d'aller se rendre à La Rochelle. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit à beaucoup de faux pas. Donc, ils ne vont pas venir ici. Ah non, mais c'est sûr. La fleur au fusil. De toute façon, il reste trois matchs. Ils ne sont pas européens. Donc, il n'y a pas photo là-dessus. Ouais. C'est clair. Hein. Et donc, il y a des infos qui ont circulé. J'ai vu donc entraînement public vendredi à Rion et mardi au Marcombe. Donc, un regard, toi, sur ces entraînements publics, là, justement qui a un peu accéléré aussi Christophe Furios en devenant le chef. Honnêtement, pour nous, ça ne change pas grand-chose dans l'entraînement. Mais c'est vrai que je trouve ça hyper sympa de pouvoir partager des moments justement avec des écoles de rugby du coin et pouvoir justement faire l'entraînement après avec les jeunes. Je trouve ça sympa parce qu'on était à leur place il y a 10 ou 15 ans pour certains. Donc moi, je trouve ça sympa de faire ça toutes les semaines. Oui, puis face à un public en plus relativement bienveillant, je suppose que vous n'avez pas de... ça se passe relativement bien. C'est toujours bien passé. Les gens qui viennent, c'est des personnes qui veulent, sont supportrices, qui vont venir voir, qui vont venir prendre du plaisir et tout ça. Donc c'est un moment d'échange qui est génial et c'est une super... C'est super. C'est vrai que c'est. Et je trouve ça, moi, à mon sens, très bien que Urios, justement, trempe encore plus l'équipe dans son terroir local. Et parce que l'équipe doit être représentative de son territoire. Et c'est bien qu'elle y soit dans ce territoire-là. Quoi. Donc c'est génial. C'est génial. Bon, Étienne, tu as vu circuler un peu les questions, justement, à ce sujet-là. On n'a pas relevé tout de suite. Mais donc, toi, tu sais, tu es dans une phase un peu particulière parce que là, tu es prêt à re-signer. Donc,
on croise les doigts, on va pas te mettre dans l'embarras, mais c'est quand même en bonne voie, rassure-moi. Oui, oui, je suis en discussion avec la SM depuis un petit moment, donc c'est des échanges positifs. Discussions positives, voilà. Ça va bientôt se décanter. Bon, mais très bien. Il y avait une autre question à ce sujet-là, justement. Oui, avec la cohabitation, enfin, la future cohabitation avec Faïnga. Non, enfin, que penses-tu surtout de l'apport d'un c'est un gros con. Comme c'est un naze. Non, bah, c'est toujours bien d'avoir des joueurs qui viennent aussi d'un autre pays, parce que peut-être qu'ils travaillent différemment en Australie. Après, voilà, il y a l'expérience internationale aussi. Là, je crois qu'il a plus de 40 sélections avec l'Australie. Donc ça va être bien de l'avoir avec nous et surtout voilà comment ça se passe sur les trois dernières saisons pour les talonneurs à l'ASM. Un quatrième, le nombre n'est pas un problème. Non, c'est clair. Puis surtout que lui, il arrivera que pour octobre, je crois. Après on a que trois matchs, je crois, pendant la Coupe du Monde. Mm-hmm. Quand on parle reconduction, il y a quand même un certain nombre de joueurs jaunes et bleus qui ont reconduit Bézi, Falgou, Fischer, Lavanini, Lee, Ojovan, Slimani, Yato. Vu nous en tant que supporters, ça veut dire que c'est plutôt un point positif que pour vous, joueurs, l'ASM est encore attractive et que vous avez encore une forte envie de porter ce maillot jaune et bleu et de défendre nos couleurs au stade Marcel Michelin et à l'extérieur. C'est un sens que vous donnez à vos supporters, non ? C'est personnel ou c'est collectif ? À la fois personnel et collectif. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sentent super, super bien à l'ASM. On a un stade qui est incroyable, on a des supporters qui sont au top. On a un cadre d'entraînement aussi qui est sympa. Donc il y a toutes les conditions pour être bien, je pense, à l'ASM. Donc oui, il y a beaucoup de joueurs qui souhaitent rester. Moi, je trouve ça super sympa que des joueurs comme Fritz restent. Parce qu'il a fait toute sa carrière à l'ASM. C'est des papas, comme on dit chez nous, ceux-là. Des papis, même. Vous parlez des infrastructures. On sait qu'on a des infrastructures de qualité. Le hasard a fait que ce vendredi, je revisitais ASM Experience avec mes petits-enfants, et lorsqu'on nous a fait visiter, on a dit qu'on avait été leader, et celui qui commentait la visite disait que nous avions été leader sur ce centre de préparation, enfin tout ce qui est autour du Michelin, mais que d'autres aujourd'hui arrivaient à ce niveau-là. Est-ce que ça continue à évoluer, ces structures-là, ou pas ? Tu me dis que tu n'es pas d'accord, Alex. Pourquoi ? Parce qu'on a un outil qui a été précurseur pendant un moment. Maintenant, tout le monde s'est mis au niveau, voire a dépassé le niveau d'exigence qui avait déjà été très haut, mis par la scène de manière très haute. Donc, c'est un outil maintenant qui doit continuer à évoluer, qui doit avancer sur des équipements, sur des salles de cryo, ce genre de choses. Il y a mille choses. C'était ma question. Il y a plein d'idées. Mais quand on regarde les infrastructures de Toulon, c'est tout neuf. C'est sûr, c'est la course à l'armement, c'est la course à la nouveauté. J'en suis conscient. Mais c'est aussi un élément important dans l'attractibilité, ça ne se dit pas trop, mais du club, pour aller chercher de nouveaux joueurs, le cas d'entraînement. Alors, tant mieux, tout le monde se sent bien, c'est une bonne chose, je n'en doutais pas, mais les outils de travail sont aussi très importants. Aujourd'hui, je présume que vous avez été sollicité, donc vous avez peut-être visité d'autres installations. Aujourd'hui, qui est leader au niveau tel que le décrit Alex, Toulouse, Toulon, justement, Montpellier. On sait que Perpignan est en train de refaire des efforts parce qu'eux aussi avaient eu de très belles infrastructures, mais ça remonte à 12-13 ans. C'est vrai que ça va avoir aussi tendance à s'uniformiser et à se stabiliser, parce qu'il n'y aura pas non plus, ça peut être la NASA dans chaque centre sportif. La loutre n'est pas là pour parler de la NASA. Ouais, les défenseurs de la NASA. Donc, c'est sûr que l'ASM a eu cet outil peut-être avant les autres. Maintenant, on n'a plus cette avance. C'est plus un outil qui est devant les autres. Donc, quand je dis que c'est en retard, ça ne veut pas dire qu'on est
10 ans derrière qu'on est décroché, hein, c'est pas vrai. Hein. Mais parce qu'on voit, moi, pour y passer, alors, je ne vais pas dire régulièrement, mais de temps en temps, c'est un outil aussi qui évolue en permanence, c'est normal. Après, on sait tous qu'à l'ASM actuellement, en plus de, du renouvellement qui a eu et qui va y avoir encore plus au niveau sportif, on va dire qu'il y a quand même une personne qui a, comme Benoît Vaz, là, qui est chargé de mission pour un peu identifier et tout ce qu'il faut faire évoluer, parce qu'on est... On est quand même à la fin de ce fameux cycle de 20 ans, on va dire, où effectivement, après, il faut se remettre en cause sur pas mal de choses, y compris sur la structure même. Quoi. Benoît Vaz, moi, j'ai plus l'impression, et compris en tout cas, qu'il était sur des travaux de restructuration, pas sportif, pas autour du sportif, oui, oui. Dans tout, tout côté qui est plutôt ouais. administratif, sur la structure même du club. Forcément, ça a les impacts d'un côté et de l'autre. Hein. C'est pas décroché, c'est pas autonome, mais je crois qu'ils travaillent beaucoup avec les équipes pour remettre une nouvelle dynamique, que ce soit sur le travail du marketing, sur le travail de la visibilité, sur le travail. Il y a plein de choses qu'il faut travailler, hein, qu'il faut remettre. Il y a du boulot sur le sportif et sur l'administratif des côtés. Hein. Et au niveau sportif, bon, on a vu que Christopher Rios est quelqu'un d'assez hyperactif, on va dire, qui a en pas longtemps quand même secoué un peu le cocotier. Enfin, toi, je suppose que tu as pu voir un peu l'évolution avec ce changement. Moi, je pense qu'il a rapide. Voulu, il a voulu mettre sa patte directement, et ça, je trouve ça bien. Et oui, il y a des choses qui ont changé, et tant mieux. Et ça s'est fait alors de manière plutôt abrupte ou forcément, quand on change de coach, c'est pas forcément la douceur au quotidien. Ouais. C'est forcément pour le groupe, c'était pas forcément c'était pas simple à vivre pour nous, surtout qu'on est parti en Afrique du Sud du coup sans manager. Mais quand on est revenu, je pense qu'il a pris le temps d'observer un peu comment nous on fonctionnait, comment ça fonctionnait au club avant de pouvoir un peu mettre sa petite pierre à l'édifice. Vous avez déjà eu des échanges avec la future équipe technique ou pas avec ensemble, tout ça, non, pas encore. Non. Même en discussion, discussion contrat, tout ça, genre. Non, même pas. C'est pas. Je pense que pour l'instant, on se focalise sur la fin de saison et. Ouais, ça aurait pu. Et qu'on verra par la suite. Et pour répondre à Fabien, vous avez fait ces entretiens individuels. Vous avez donc fait l'entretien. Il nous a dit qu'il avait fait des entretiens individuels avec les joueurs. Vous avez donc vécu ces entretiets individuels? Ouais, il en fait beaucoup. Donc il fait des entretiens souvent les lundis. Donc oui, c'est sur des retours de match ou sur comment ça se passe au quotidien. Donc ça, c'est bien d'avoir des retours assez souvent. Ouais. Vous-même, vous n'aviez pas forcément beaucoup de temps de jeu avant son arrivée. Et là, vous en avez beaucoup. Alors, il y a à la fois les blessures, mais je pense qu'il apprécie votre style de jeu et qu'il vous fait confiance. Vous avez pu évoquer tout cela? Oui, après, moi, je suis revenu de blessure. Le match des Tigers, Jono s'est fait remplacer la semaine d'après. Donc, au final, j'ai plus joué avec Christophe qu'avec Jono. Ouais. Mais non, voilà, après, moi, j'ai eu deux déchirures d'affilée à l'ischio-jambier, ça m'a pourri un peu le début de saison, mais... Trop rapide. On n'a pas l'habitude. Non, mais bon, au final, voilà, moi, j'ai commencé qu'à jouer à partir de janvier. Tu voulais répondre à Fabien. Ouais. Non, je ne sais pas. Et la seule nom que j'ai entendu revenir, c'était celui de Xavier qui allait intégrer le centre de formation. Quoi. Oui, je ne sais pas si tout le monde a vu la question. La question, c'était s'il y avait des anciens du club qui vont à nouveau intégrer les staffs des équipes de l'ASM, que ce soit chez les jeunes. Ça a commencé au niveau des dirigeants un petit peu. Et puis Marco, je crois qu'il entraîne un peu quand même, Marco Pradier, non ? Qu'il intervient un peu sur le sportif. Mais on a vu intégrer oui des dirigeants, des anciens joueurs, des Philippe Holmes qui a intégré Eric Lecomte, Eric Lecomte, Pradier. Il y a Elvis qui entraîne. Gaëtan Herry. Il y a Gaëtan Herry aussi qui est dirigeant. Donc c'est bien.
C'est une bonne chose. C'est une volonté de, du président. On commence à voir apparaître des fils d'eux. Qui jouent, oui. Hein? Oui, il y en a qui arrivent. Puisqu'on a vu que... les casquets rouges. le jeune Thomas Duchesne. Exactement. Voilà, qui était un de nos invités, qui visiblement, ils sont sur le point de se qualifier. Là, Il y a un petit Rougerie, un petit Vermeulen, un petit Haute-Berre aussi. Ouais, encore du temps, en cadet. En fait. C'est les jeunes. Je crois qu'il y a un petit du Bertrand aussi. Il y a un petit du Bertrand, ouais. Ouais, effectivement. Et comme quoi, il y a un peu d'hérédité quand même. On verra. Bon, mais on va clore cette projection sur le match du Stade français en croisant les doigts pour décrocher déjà la victoire et plus si affinité. Et puis, on va aborder une de nos rubriques préférées où là, on va solliciter Étienne sur les anecdotes de vestiaire. 20 secondes de générique pour trouver une. Bon, dimanche dernier, il y a eu la guerre. À un moment donné, il a fallu envoyer quelques chiffardas. Bon, ça fait partie du jeu, on se régale. Hein. Pourquoi ? Vas-y, c'est à toi. Forcément, pas trop d'anecdotes à communiquer à tout le monde. Mais non, voilà, on aime bien jouer aux cartes. Et on a un champion de cartes qui s'appelle Thibaut Lanin, qui est très très fort sur le terrain, mais aussi aux cartes. Donc que ce soit aux mouches ou à la coinche, c'est vraiment le meilleur joueur. Donc, il lui faut un beau partenaire à la coinche quand même. Alors, qui est-ce qui joue avec lui ? Eh ben, d'habitude, je joue avec lui. Ah. Mais donc un très bon partenaire. Mais non, en ce moment, il me renie un peu. Donc je passe des week-ends compliqués là. J'ai pas gagné aux cartes depuis deux semaines. Ah. Ouais. C'est vrai qu'on se pose toujours la question de l'évolution, justement, de ce qui peut se passer en marge des matchs, dans les vestiaires. C'est quoi ? Je suis très content. On parle beaucoup de PlayStation, mais je suis très content d'entendre que ça joue aux cartes. C'est très bien. C'est rare que quelqu'un prenne sa PlayStation pour aller en déplacement. Oh, bah d'accord, mais c'est... Souvent, c'est quand même plus les cartes. On fait les vieux cons, je te rassure. Des choses qui ne bougent pas trop, ouais. Donc, ça joue encore à la coinche, quand même, à la belote et... Ouais, plus à la coinche quand même, mais là on expérimente un nouveau jeu qui s'appelle le Mouche, c'est un jeu basque, c'est un peu un mélange de coinche et de tarot, donc c'est sympa, ça varie. C'est le bien. Mouche, ça, faut que je regarde, ouais. On est Arthur. C'est champion aussi. Arthur et Béré. On nous dit déjà au collège Franck Rosier, il fallait pas tomber contre les frères Lanenoka. Donc ça doit être... ça commence à dater. Et il y a encore un petit frère d'ailleurs qui joue en U18. Ouais, il y a un petit blond encore. Un petit frangin, un grand un petit blond. Un grand blond plutôt. Il y a Christian Chevarin, je voudrais m'arrêter sur ce qu'il dit, c'est un petit cosse qui joue à Toulouse. Ah oui. Effectivement, ouais. Celui-ci, si... le papa et le papy pouvaient nous l'amener dans nos lignes arrière, ça serait pas si mal. Oui, ça dépote. Hein. Il n'a pas du tout le morphotype du père. Arnaud, ouais, non. Mais alors, ça envoie du pâté, comme on dit. Bon, merci en tout cas, Étienne, pour cette petite partie de coinche. on va parler un petit peu du tournoi féminin et puis du dernier match de Jessie Trémoulière en France, parce que bon, j'espère pour elle qu'elle va jouer ce crunch féminin qui va, espérons, on va finir par vaincre le signe indien, parce qu'elles ont elles ont fait un parcours quand même assez sensationnel jusque-là, contre des équipes plus ou moins solides à chaque fois. Ouais, mais c'est vrai qu'à chaque fois, elles ont pris les premières mi-temps à bras le corps, et puis on avait souvent le bonus à la mi-temps quand même. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais ça veut dire que quand on commence bien et qu'on bien score et vite qu'on score un match, ça change généralement ça change tout. Ah, il n'est pas lourd. Non, elles font une entame de match formidable. Quoi. Il faut être content pour Jessie, surtout qui avait fini un peu au placard et qui là, qui reprend un peu de vie, ouais. Qui a enquillé son deuxième match titulaire et qui a continué un peu son festival, et pas que dans son jeu au pied, je dirais, qui a su peser sur le match et sur l'organisation un peu, et puis aussi
un retour de... Alors elle, elle n'a jamais connu Clermont parce qu'elle est, elle est née à Toulouse, mais la fille de... De la fille Hermé, Gaëlle Hermé, qui meilleure joueuse du qui, match, qui a été très forte aussi, qui était aussi sur la touche au début de ce tournoi, mais je pense qu'elle a, elle a dû regagner sa place quand même. Et devant 18 000 personnes au Stade des Alpes. Alors, je sais pas, Étienne, vous connaissez le Stade des Alpes? Ah ben un peu, oui. Vous y avez joué lorsque vous étiez à Grenoble? Ah ouais, ben c'est là-bas qu'on jouait nos matchs. Ouais. Mais 18 000 personnes au Stade des Alpes. Pas tous les matchs. Non, pas tous les matchs. Malheureusement, on n'avait pas autant de monde qui venait nous voir. Mais non, bah, moi, je l'ai connu rempli, bien rempli une seule fois. C'était sur le match d'accession contre Yona quand on perd la finale la semaine d'avant contre Perpignan. Et ouais, quand il y a 18 000 ou 20 000 personnes, ça fait quand même pas mal de bruit. Donc, C'est un très beau stade. Ouais, c'est un beau stade. Ouais. Ouais, puis là, il était vraiment bien gardé. Il était bandé, il était complet. Ouais. C'était à guichet fermé, hein, je crois. Et là, du coup, forcément, les filles vont devoir eh ben, vaincre le signe indien, parce que c'est vrai que récemment, on n'a pas gagné contre ces Anglaises. Et surtout, je ne sais pas, tu as vu le match de bout en bout, elles font une fin de partie où elles ont souffert. Et les Galloises se sont rebellées. Aussi parce qu'il y avait un peu d'écart et un peu vite, quoi, donc forcément. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas battu les Anglaises? Très longtemps, trop longtemps. Je pense qu'on est sur une dizaine de défaites consécutives. Parce qu'on a perdu en Coupe du Monde, en tournant les 6 nations. Enfin, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas battues. Et c'est sur, dernièrement. C'est l'occasion rêvée parce qu'elles vont jouer à Twickenham devant un stade qui s'est rempli aussi, petit à petit. Sera plein, quoi. Peut-être pas plein, mais ils étaient à 54 000, je crois. On va faire les étages du haut. Il y a 70. Tout l'étage du bas va être 70. Mais déjà, c'est énorme. Ça sera un record pour un match de rugby féminin. Il n'y a pas de souci. Y compris sur les matchs de Coupe du Monde. Un beau stade pour finir pour Jesse. Jesse qui a dû avoir un autre grand moment d'émotion, que ça avait débuté la veille avec le papa qui est venu lui remettre son maillot. Je pense que ça doit faire partie des moments très forts. Elle vit là des moments intenses. Et puis après, elle terminera tranquillement avec Romagna, parce qu'elle a dit qu'elle remplirait... une saison au moins. Bon, il y aura au moins une Auvergnate dans les tribunes, puisque Muratoise nous dit que sa fille sera à Twickenham. Ah oui. Notre fidèle auditrice Muratoise et fidèle supportrice de l'ASM aussi. Donc maintenant, effectivement, on croise. C'est Jackie qui parle à travers Simone. Ah oui. Qui balance. Ah oui, parce qu'effectivement, oui. Merci Jackie, d'ailleurs, Brogiroud. De nous signaler ça, parce que Gaëlle Hermé s'est illustrée suite à une superbe passe au pied de Jesse Trémoulière. Elle a fait un superbe cadrage des bords pour finir dans l'embut. Bah, c'est vrai que bon, Alex, il ne nous avait pas habitués à des trucs comme ça. Mais bon. Pas ma cam. Donc c'est Jackie, pas le cadrage des bords de moi. Ça veut dire que Jackie, à cette heure-là, il n'est pas au gros plan encore. Il n'est pas au vieux crampon chez le père Ellison non plus. Quel regard, toi, tu portes un peu sur le rugby féminin? Tu suis un peu, difficilement? Quand je peux regarder, je regarde. C'est vrai qu'en ce moment, c'est l'Angleterre et la France qui sont les meilleurs au niveau européen. Et c'est bien ce qui me semblait, que c'était en 2018 à Grenoble, la dernière fois qu'elle les avait battues. Et ce serait bien qu'elle regagne un petit peu contre elle, sachant que c'est entre elle et l'Angleterre que ça va jouer ce tournoi à destination, donc ce serait sympa de le gagner. Oui, puis elles ont un peu le même parcours, parce qu'elles ont fait bonus offensif sur bonus offensif. Match aux Anglaises à Twickenham. Ce serait une rebelote. Leur voler le tournoi à Twickenham. Et c'est clair que Twickenham va chanter, en espérant qu'on n'écoutera pas Swing Low, Swing Chariot, justement, parce que ça sera bon signe si on ne les entend pas, effectivement. Jean-Luc, on va aborder ta rubrique Pro D2. Ah, mais ma rubrique Pro D2. Elle va être courte. Ce week-end, c'était repos. Par contre,
ça repart dès ce jeudi soir par un agent Nevers. Donc l'équipe de Bernard Gouta, ça va être une réception costaud et à Nevers. Donc là, on a peut-être, on verra le jeune demi d'ouverture. Bien, ouais. Bonferrandé, Gabin Miché, jouer. Quand on regarde, Agen est cinquième pour l'instant, et Nevers est quatrième. Donc, puisque les six qui vont être qualifiés, de toute façon, c'est fait. Hein. C'est Oyonnax, Grenoble, Mont-de-Marsan, Nevers, Agen et Vannes. Maintenant, sur les deux matchs qui restent, ça va être le positionnement. C'est le classement, là. Avec, non, c'est serré. On sait que 1 et 2 soufflent. Ben, vous avez vécu ça, vous nous parlez de la montée de Grenoble contre Oyo. Donc on sait que 1 et 2, ils attendent tranquillement chez eux pour savoir ce que vont faire le 3 contre le 6 et le 4 contre le 5. Donc toute l'importance d'être 1 ou 2, sachant que Oyo, c'est sûr qu'ils seront 1. Pour Grenoble, encore rien n'est fait. D'autant plus qu'ils ont une fin de parcours un peu. Je crois qu'ils vont à Vannes. Donc, Et voilà, Grenoble, ils vont à Biarritz. Et reçoivent Vannes. Et après, ils doivent recevoir. Et tout à fait, vous avez raison, ils reçoivent Vannes. Donc, il a des copains à Grenoble encore. Il vérifie toujours, s'il doute toujours. Il n'a pas confiance. Nous, on aime bien Nicolas Nadeau. On garde de bons souvenirs de Nicolas Nadeau qui. T'as bossé avec lui quand t'as bossé avec lui, t'étais avec qui? Ouais, non, moi j'ai pas bossé avec lui. J'ai eu au départ Bernard Jackman, ah oui. Qui après est parti. Et après, Stéphane Glas et Diwal Sénécal. Ah ouais, c'était Stéphane. Ouais. Putain, j'ai passé deux S avec Stéphane. D'accord. Oui, puis t'as vécu donc du coup des belles heures avec vous. Ça n'a pas commencé très bien parce que du coup quand il y a eu d'abord la descente. Ouais, quand j'ai commencé, on est redescendu et après comme ils font un peu en ce moment, Grenoble ils misent beaucoup sur les jeunes et ça marche parce que cette année-là où on a commencé à jouer sérieusement, il y a Louis Godner d'ailleurs, Gervais Cornin, Michael Capelli, Kylian Gerassi. On a tout joué et c'est ça qui a fait que le club, on a réussi à remonter dans les lits. Petit quelque chose. C'est ça. Donc j'espère qu'ils le referont. Après, là, quand je vois le classement, ça va être serré de partout, quoi. Parce que si le sixième est à 3 points du deuxième, il peut tout se passer. Il y a 8 points à prendre, enfin 10 même. Donc tout va. Là, on a moins de verre à Agen. Si ça reste comme ça, ils peuvent se jouer deux fois. Du coup, t'as joué un play-down, enfin un barrage de descente et un barrage de montée. Le barrage contre Brive. Non, c'était un match d'accession contre Brive. Ouais. Mais je m'étais blessé la semaine d'avant sur une petite entorse au genou, donc j'avais pas pu malheureusement jouer. Mais ouais, j'ai connu les deux. J'ai connu la montée. La descente avec ce match d'accession, donc c'est sympa quand on le gagne, moins sympa quand on le perd. Et puis c'est d'une intensité assez... Non, nous, quand on l'a joué, honnêtement, on savait qu'on n'avait rien à perdre. C'est pour ça que je pense qu'on l'a gagné, parce qu'on s'était dit qu'il y avait énormément de chances qu'il y en a le gagne. Et après, on a été poussé par un public qui était au rendez-vous, donc c'est vrai que c'était cool. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus de pression quand on est 13e top 14 et qu'on va jouer justement chez le perdant de la finale de Pro D2, parce qu'eux, ils ont tout à perdre et le perdant de la Pro D2 a tout à gagner. Oui, c'est clair. C'est clair que c'est le match à ne pas jouer quand on est en top 14. C'est ça. C'est la place. Il doit être. C'est la place à éviter. Comme quand Bayonne joue à Biarritz. Ils ont perdu leur match. C'était fou ce match-là. Complètement. Tu dis c'est un sketch. Mais ça a souvent donné des matchs d'anthologie. Ah oui, c'est sûr. Ce match-là. Parce que c'est tellement dramatique, l'intensité de ce truc. Il y a une intensité dramatique. Exactement ça. Et alors, pour clore sur la Pro D2 et sur la descente, donc on sait que Massy va descendre. C'est clair pour les banlieusards où vous avez deux de vos anciens. Donc, on parlait tout à l'heure de la naine, il y a Clément la naine qui est là-bas. Et puis, on a Rosière, mais Rosière, c'est un prêt. Oui, Thomas, c'est qu'un prêt. Qui est là-bas, qui score, qui marque parce qu'il ne ferme pas de jeu. Il continue d'envoyer du jeu. Et alors, après, ça va être un drame parce que ça va être soit Carca. Soit Manteau, soit Soyo,
Et voir et Rouen. Et Rouen. Rouen, ça fait du bien à 15 jours quand même. Là. Oui, c'est vrai que même sur la fin du classement, c'est un championnat qui est hyper compliqué. Hein. C'est serré, effectivement. Bon, on fait rendez-vous ce week-end pour le dénouement. L'avant-dernière journée. Ouais. Et on va terminer avant de clore avec notre petite rubrique aussi spéciale pour Étienne. C'est une petite surprise, mais ça. C'est des bonnes surprises. on avait aussi un peu de rugby régional avec malheureusement, c'était un peu le massacre à la tronçonneuse ce week-end pour le rugby régional. En fédéral 3, le Puy a goûté, je dirais, aux saveurs de Saint-Savin. On connaît Saint-Savin, qui est le club de Julien Bonner, d'ailleurs. De Julien, exactement, oui. Et le Puy, qui n'avait perdu qu'un match en match de poule, a perdu à Saint-Savin, a perdu 10 points. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, faut que le COP gagne le match avec un écart supérieur à 10 points. Jackie, si tu es là, Jackie Brioude, a échoué. Eux, ils ont échoué pour l'accession à la finale 3. Viriac, qui est une commune de l'Ain, l'a emporté 19 à 13. Bon. Le CUC aussi qui avait envie de monter, les joueurs étaient un peu déterminés, mais malheureusement ils ont été éliminés directement aussi pour une éventuelle montée. Et c'est affiché derrière nous. Ce dimanche, Issoir attaque son barrage d'accession aux phases finales de Fédéral 1 à domicile contre l'Isle-Jourdain. Et avec un petit cadeau de la part des Montferrandais, c'est que les espoirs seront enlevés de rideau à 14h contre Toulon. Donc une belle affiche pour aller nombreux au stade d'Issoir, surtout qu'il n'y a pas match de nos jaunards. Donc il faut en profiter pour aller encourager les Issoiriens, où il y a quelques ex-Montferrandais aussi. Et puis bon, c'est souvent que les joueurs vont voir Issoir. D'ailleurs, on les voit souvent dans les tribunes. Donc, en plus, là, il y aura les espoirs enlevés de rideau qui, eux, ont assuré une qualif en quart de finale en ayant gagné à Castres le week-end dernier. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Et puis, on espère que les phases finales seront longues aussi pour nos jeunes Montferrandais. Et, parce qu'on sait qu'il y a dans un passé pas si lointain que ça, c'était souvent que les espoirs trustaient les titres de champion de France, n'est-ce pas, Alex? Il y a quelques années. Il y a quelques années, tu avais coaché des champions. Ouais, prescription maintenant. Ouais. Mais entre-temps, il y a eu d'autres titres aussi. Exactement. Effectivement. Voilà, on va terminer notre émission par notre dernière rubrique, une photo des souvenirs. On devrait, ouais, c'est vrai. Alors ça s'affiche, voilà. Tu vois là. Oh putain. Ah, on le reconnaît quand même. Ouais, sans barbe, ouais, par contre là. Donc si tu veux. Champion de Bourgogne. Si tu veux décrire un peu cette photo et nous dire un peu à quelle époque elle correspond. Alors, je sais pas trop quel âge j'avais à cette époque-là. Je pense que je devais avoir 17 ans. Tu faisais les stages, je pense, pré-équipe de France et tout ça, des jeunes. Les top 100, hein. Du top 100 à l'époque, quoi. Ouais, alors j'étais encore plus jeune. Vous étiez champion de Bourgogne. Ouais, avec ton club formateur. C'est ça, coup. Ouais. Donc, alors la photo, elle est prise au stade Dumas. Donc, c'est le stade de Lons-le-Saunier. Et donc, en fait, moi, j'ai gardé ma licence là-bas jusqu'à 18 ans. Et après, je suis parti à Grenoble. Mais du coup, j'étais toujours. En fait, j'avais une double licence. Donc, je jouais à l'époque avec ABCD 15, qui était un peu l'équipe Fagnon, l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté, en quelque sorte. Et les week-ends où on n'avait pas match, et ben moi, je jouais avec en junior
avec Lens-le-Saunier et jouer, ça m'est arrivé de jouer centre. Ah, Lens-le-Saunier dans c'est le Jura. Pour ça qu'il, c'est ça, ouais. Qu'il tripote bien le ballon. Il y a des restes du 3/4 centre. Ouais, et on avait fait, pareil, on était allé en demi-finale. On avait commencé en 64e de finale de championnat de France. 64e. On était allé en demi-finale de championnat de France, je crois, Telière. Ouais. Telière, d'accord, ouais, c'est ça. Donc, ouais. Il y a eu un beau parcours aussi. Ouais. Et donc, si tu veux nous dire deux mots sur ton club formateur, justement, enfin, où est-ce que tu as commencé le rugby? Eh bien, c'est sur ce terrain-là que j'ai commencé le rugby. Donc là, les nouvelles, elles ne sont pas très bonnes. Ils redescendent en Fédéral 3. Ils étaient en Fédéral 2 cette année. Ils ont fait une montée l'année dernière. Et c'était un peu compliqué. Ils ont perdu 2-3 joueurs importants dans leur effectif. Donc là, ils redescendent en Fédéral 3, mais je ne me fais pas de soucis pour eux parce que je sais qu'ils vont rebondir assez rapidement. Et il y a pas mal de jeunes aussi qui poussent. Et donc, c'est Lens-le-Saunier, c'est un gros club formateur. Il y a Félix Lambet aussi qui vient de Lens-le-Saunier, Maxime Mati qui joue à Montauban. Donc, il y a Franck Romanet aussi qui joue à Brive. Donc, voilà, c'est un bon club formateur. Oui, c'est. Hormis Lens, après, c'est dans le pays de Saint-Claude. Ouais, voilà, c'est le derby contre Saint-Claude. Saint-Claude qui avait joué à la grande époque, qui jouait en division 1. Ouais. Ouais, bah, avec le Racing. À l'époque où il y avait 4 joueurs à Saint-Claude, ils avaient arrosé le terrain. Pour qu'on puisse jouer, quoi. Et ça, debout, plein été, quoi. Ah, bah oui, non, mais normal. Ah, ça vous faisait du bien, les parigots. Les pompiers, les camions de pompiers qui arrosaient le terrain. Là. Et Alex, t'avais pris des pipes, alors. La fameuse pipe de Saint-Claude. On avait du père là-bas. Saint-Claude. Et oui, non, mais c'était l'époque où il y avait combien, jusqu'à 80 clubs en élite. Bah, c'était groupe à deux à l'époque. Ouais. Et après, pas très loin, il y avait Le Creusot et Montchanin. Ouais, ouais. Là aussi, Creusot, ouais. Des clubs formateurs. Un formateur, tu peux vite être déformé quand même. Après les formateur matchs, ouais. Et déformateur. Tu peux être déformé après les matchs, ouais. Bon, en tout cas, merci Étienne pour ce retour sur ta formation, parce que c'est vrai qu'on aime bien savoir un peu d'où viennent nos joueurs pros. Et merci pour ce bon moment passé sur le plateau. Il y a du rugby féminin en Haute-Loire, quoi. Parce qu'il y a Simone qui a joué dans Vaugirard, qui a joué dans deux clubs. Ouais, non, mais il a fait des infidélités, oui, Jackie, avec la Haute-Loire. Non, mais donc merci d'être venu avec nous sur le plateau. On a réussi, hein, on s'est trouvé. Enfin. et on croise les doigts pour dans 15 jours débriefer une victoire contre le Stade français. Ouais. Et moi, j'ai parié à 5 points. T'as parié à combien, 5 points? Oui. Bon, ben, 38 points. Je peux parier en avance. Moi aussi, je mets une pièce. Donc, et puis, allez supporter effectivement les espoirs comme Muratoise ce week-end à Issoir et en même temps le barrage d'accession aux phases finales pour nos amis issoiriens. On vous dit à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Faites tourner la page de l'émission et likez sur YouTube et sur Facebook. Allez, on vous dit à dans 15 jours. Bonsoir à toutes et à tous.